Je vous ai réunis ici aujourd'hui pour vous signifier encore une fois de plus l'inévitable destinée de l'homme, la mort. Et je fais part de se préparer en conséquence. Un des nôtres, Seth, a été frappé par la mort. Seth est retourné vers nos origines à tous, la poussière. Je l'ai vu hier en esprit pendant ma méditation. Levons-nous et observons une minute de silence en l'honneur de notre collègue. Le Mercieux, dans sa magnanimité, mais garantit son repos éternel, repos dans sa miséricorde. Après que sa résurrection soit gratifiée, qu'il en soit ainsi. Asseyez-vous. J'entrevois un sérieux défi à notre endroit à l'enterrement de Seth. Au moment où je vous parle, son enterrement vient d'être achevé. Quoi? Comment pouvons-nous alors lui rendre nos honneurs? Comment peut-il nous remettre ce qu'il nous doit? Il n'y a aucune confusion à être milliardaire. Non, aucune. Toi, et toi. Je veux que vous quatre présentiez nos condoléances à la famille éprouvée. Vous y amènerez 5 millions de naira, qui est naturellement notre don de compensation pour la famille endeuillée. Vous les informerez que dans 2 jours, nous y serons pour un dernier hommage à notre collègue mort. Oh oui, autre chose. Qu'ils sachent que nous aurons besoin d'intimité. C'est très important, l'intimité. Pourquoi êtes-vous ici? Je vous ai demandé de prendre le premier vol pour l'Est. Oui, maître supérieur. Alors que faites-vous ici? Nous sommes également arrivés avec le premier vol disponible. Étant donné que nous n'avons été accueillis, même nos dons suprêmes. Pour la maltraitance dont nous avons été victimes, je ne pense pas que notre visite officielle sera acceptée. Comble de malheur, ils ont même menacé de faire honte à la fraternité si nous comptions y revenir. Une minute. Vous n'étiez pas la bienvenue. Et ils ont menacé de faire honte à la fraternité. Je le savais. Oui, je l'ai vu venir. J'ai su qu'on allait en arriver là. Je savais qu'on allait en arriver là. Écoutez, je te veux ici immédiatement. Oui, c'est un ordre. Donne, je te veux ici. Écoute, je m'en fous de savoir ce que tu fais.
C'est un ordre. Amène-toi ici maintenant. Frère, entrons. Oncle, je voudrais que tu me fasses une faveur. Vois-tu, pour ces derniers 6 mois, notre banque ne nous a pas payé. Et je prouve des difficultés pour me nourrir. Oncle, s'il te plaît, je ne sais pas si tu peux me faire donner un peu d'argent pour me nourrir. Tu as besoin de combien à peu près cette fois? Je pense 10 000 naira. Ceci m'aidera pour 2 à 3 semaines. Veux-tu dire que 10 000 francs te suffiront? Oui, oncle. D'accord, une minute. Tiens, voilà 100 000 naira. Merci ça va, beaucoup, mon oncle. Cher. Ok. Merci beaucoup. Merci, oncle. Vois-tu, Chidi. Oncle. Il y a cet adage qui dit, au lieu de me donner du poisson, enseigne-moi à pêcher. D'accord? Oui, oncle. Plutôt que de venir ici demander ces misérables 10 000, 20 000, 50 000, je pense plutôt que je ferais mieux de te rendre riche. Je te montrerai le chemin de la croissance. Devenir bourgeois. Je ferais mieux de te rendre riche. J'ai cette chance d'amener au moins 4 personnes à cette position dont tu es digne pour travailler. C'est merci bon, beaucoup. C'est bon. Ça va. Merci, oncle. Voir. As-tu quelques amis qui peuvent venir avec toi? Oui, oncle. Oui, oncle. Je veux dire des amis intimes. Oui, oncle. Toulou est là. Eddie c'est et... bon, c'est bon. Laisse-moi voir comment je peux vous amener tous. Oui, oncle. À une position où chacun de vous ne sera dans le besoin pour le reste de vos vies. Est-ce d'accord? Oui, oncle. Oui, oncle. Oncle, merci beaucoup. Ça va. Oncle, je ne sais ce que je serai. Bien. Sans vous. Pourquoi sommes-nous là? Pour s'aider les uns les autres. Merci, oncle. Merci. Merci. Rien. Merci. Il m'a même offert l'opportunité d'avoir 3 ou 4 amis afin qu'ils puissent être riches. Alors, qui suis-je? Vous êtes les seuls amis que j'ai. Et j'ai décidé de vous appeler. Voyez-vous, la balle est dans votre camp. À vous de décider si vous allez me suivre ou non. Quant à moi, je suis un homme riche. J'ai déjà pris ma décision de te suivre. Si tu savais ce que travailler dans un bar signifie, demain ils finiront à ne pas payer, le salaire est gratuit et tu meurs de famille. Si tu tiens fou, dis Eddie. Je suis sûr que comprenez-le, hein les gars. Et ça, c'est bon, hein. Coucou. Tu me tues. Laisse-moi te demander quelque chose, Chidi. Qu'est-ce? Tu es sûr que ton oncle peut vraiment nous rendre riches? Eh, pardon. Écoutez, discute. Écoutez. Tu me demandes comme si je n'aime pas l'argent. Ah! C'est pas que je n'aime pas l'argent. En fait, j'aime l'argent plus que vous. Vous le savez. Mais vous savez que ce qui est bon n'est pas facile à obtenir. Donc, sans en sûr. Laissez-moi vous dire, cette bouteille-ci, je suis convaincu. Serveuse, apporte-moi la facture là. Apporte. Je nous imagine dans trop d'argent. Franchement, les gars, si cette histoire marche, je nous vois dans trop d'argent, les gars. Je dis vraiment, tu es valable. Combien notre facture? Cela fait 1800 naira. 1800 naira. 1800 naira. Ok. 1800.
C'est bon. Tiens, voici 3000 naira. Apporte-nous encore des billets. Je ne sais pas, c'est maintenant bon. Que je te comprends, Chidi. Tiens, ça me tiens pour m'en parler à Franjean. C'est rien. C'est mon nom qui me met en haut, vous voyez. Regarde, nous sommes ensemble, il faudrait que nous soyons aussi bien en haut, riches, ouais, comme ces gens qui marchent dans les véhicules. Te tirer de n'importe quelle situation, ça c'est sûr, n'importe quelle situation. Donne-toi, vous allez essayer de vous résoudre ce problème. Suprême. Bien. Chidi, mon neveu, ses amis, ceux dont nous parlons hier. Ainsi, vous désirez faire partie de la fraternité des milliardaires. Oui, monsieur. Cédric, leur as-tu donné les implications qui s'y attachent? Oui, c'est fait. Il vous a informé, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Et vous pensez que vous serez à la hauteur de cette tâche? Oui, monsieur. Vous aurez affaire, vous le savez néanmoins. Oui, nous sommes au courant. Ok, Cédric, je n'officierai pas cette fois-ci. Tu vois? Alors, rassure-toi d'obtenir tout ce que requiert la cérémonie. Ok. Comme tels sont vos désirs, amenez-les chez Demoiselle Chance, qu'ils commencent par laver leur pauvreté. Laissez-moi tous tranquille. Qu'est-ce que c'est ça? Écoutez, hein, il ne faut jamais insister sur ces choses. Jamais. Savez-vous ce que cela voudrait dire? Vous étiez tous là hier quand le soi-disant barbu du suprême disait que nous allions tous être transformés en vautours et nourris de la chair humaine comme première étape de l'initiation. Méfiez-vous. Et laissez-moi vous dire, les gars, je ne suis pas intéressé. Point final. Toulou, arrête de parler ainsi. Si cet homme vient ici maintenant et t'entend dire cela, que diras-tu? Je t'ai demandé de ne plus te comporter comme une femme.
Ceci ne t'aidera oui, pas. J'accepte. Voici quelque chose qu'il faut faire une fois pour toutes. Hé hey. Écoutez les gars, ne vous en faites pas. Quand on rencontre aux enfants comment les hommes deviennent riches, ils restent toujours stupéfaits. Tolo, écoute. Je pense avoir fait ce qu'un ami doit faire pour l'autre. Ne dis pas que tu n'as pas été informé. Ne dis pas que je ne te l'ai pas dit. Le comprendre. Faisons-le ensemble. Au moment où tu te réveilleras, nous serons tous riches et joyeux. Écoutez, écoutez, j'ai pitié de vous tous. Et laissez-moi vous dire encore, je ne suis pas intéressé. Tolo n'a pas pitié de nous. Pour moi, je suis prêt à le faire et le faire encore et encore. Je ne veux pas entendre. Prête-moi de l'argent. Tu me connais. Je ne te donnerai même pas un gombo. Et bon, pourquoi le supplies-tu? Pourquoi le supplies-tu? Oh, jeune homme. Si vous êtes prêt, allons-y. Je suis sérieux, s'il vous plaît, laissez-moi ici. Écoute Chidi, demande-lui de me laisser ici. Qu'est-ce que tu avec toi non? Laissez-moi ici. Foutaise. Tu peux descendre. Descends. C'est quoi? Allez-y tout calmement. Ah ah. S'il te plaît, oncle, arrête-toi ici. Arrête-toi pour qu'il descende. D'accord. Ok. Tu comme quoi? Descends. Tolo, viens s'il te plaît. Écoute, fais ceci, mon ami. Après tout, beaucoup de personnes l'ont fait. C'est pas si difficile. Et tu souriras pour le reste de ta vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Se transformer en vautour et se nourrir de la chair humaine pour 7 jours entiers. Ah, s'il te plaît, je dois encore y réfléchir. Je te verrai plus tard. Si tu insistes. Voici ton agent de transport. On se voit. Attendez.
chukwi nanukwa ewo mwabiru wanete obata kuwadi uwajoka ijo wamo ewo ijo wamo ewo Victoria nagonike maka ijego ewo mwabiru wanagonike maka ijego ewo ijo wamo osiri